Julie, et si les IA nous suçaient un peu mieux la queue? Quoi? Quoi? J'ai l'impression que tu te mets, mais t'es carrément pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Tenchu nous a envoyé cette bad news. Un crowdfunding sur Indiegogo a remporté 50 000 dollars hyper rapidement pour la fabrication de l'AutoBlow 2. Je traduis, l'autosuceur 2. Pourquoi? Parce qu'il y a une IA dans le programme qui apprend. Plus tu l'utilises, plus il apprend. Et il change la manière de te sucer la queue pour que ce soit de moins en moins artificiel dans le mouvement. Pour que les mouvements ressemblent de plus en plus à un mouvement de bouche. Mais t'imagines qu'il y a des gens... T'imagines qu'il y a des gens qui ont utilisé leur savoir pour ça? Sérieusement? Ton enchaînement est parfait, Julie. Mais oui, pour préprogrammer l'autosuceur 2, il y a une team de 6 personnes qui ont regardé 109 heures de pipe dans le porno pour déjà implémenter dans la machine les techniques de suçage les plus utilisées. Moi, j'aime bien quand l'être humain met tout son temps et son énergie à un truc qui va pas nous sauver. Encore une fois, c'est hyper phallocentré. Hein. La bite, alors, merci. Attends, excuse. Pardon. Là, je peux pas te laisser dire ça. Parce que en termes de jouets sexuels, vous les meufs, vous avez quand même plus de trucs cool que nous. Ça, c'est nul, c'est à chier. À aucun moment tu crois que c'est une chatte ou une bouche, ça ne marche pas. Tandis que vos aspi-chattes là, tu vas pas me dire le contraire, ça fonctionne. Oui, ben voilà. C'est pas mal. Vous, les jouets sexuels sont quand même mieux adaptés. C'est vrai. Voilà, mais nous, on n'a pas les règles. On dirait un instrument de torture, hein. Je suis désolée. Ah bah oui, mais et, en plus, ça fait un boucan. Attends, je m'en décroche la mâchoire là. Retrouvez tous les personnages cultes de l'émission Bad News dans un set de boosters à collectionner inédit. Au programme, des cartes common de type Ariel Bitume, Cocktail Michel ou encore Rob de Freitas. Des cartes uncommon telles que Eleanor Jenkins ou Pompoitou. Des rares comme celle de Freaky Hoodie ou Bacabou. Des super rares comme les cartes de Thomas ou encore celles de Fistule, des Shiny Ultimate rares comme celles de Davy Mourier ou encore des Legendary rares à l'effigie de Ten. Pour la rentrée, collectionnez-les toutes et achetez les méga packs Bad News Collectionable Rare Booster Card Pokémon. Merci beaucoup Ariel, toi t'as pas besoin de tuto. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans-genres, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources, et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Julie est avec nous, Bacabou sur YouTube, le lien est en dessous pour te suivre. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bonjour, alors... Attends, je m'étouffe là. On regarde la vidéo d'interne. Allez. Alors c'est une vidéo que j'ai adorée. C'est une vidéo que j'ai adorée, que j'ai trouvée sur Instagram. Et c'est un gars qui découvre que son voisin aime le reggaeton. Ça, il y a forcément un truc sexuel. Parce que le reggaeton, c'est vraiment un truc... C'est vraiment pour baiser. Il a créé un brouilleur d'ondes anti-reggaeton pour empêcher son voisin d'écouter sa musique. C'est un informaticien. C'est un argentin, voilà. Donc il a créé une machine. Il en a eu marre d'aller sonner chez lui. Avec une intelligence artificielle qui reconnaît spécifiquement le reggaeton. C'est-à-dire que le mec pouvait écouter n'importe quelle musique fort, sauf le reggaeton. Quand il y avait du reggaeton, la machine brouillait les ondes et il pouvait plus utiliser rien. C'est fort ça! Après, c'est une question de rythme aussi. Ouais, je pense. On lui a dit que c'était illégal, mais il a dit « Oui, enfin, j'ai fait ça, c'est un peu une blague, quoi. » Mais je trouve ça génial. T'as pas envie d'écouter... Alors, je connais aucun artiste qui fait du reggaeton, mais... Mais moi, il y a des musiques, tu vois, qui me rebutent, tu vois. Par exemple... Ah, moi, tout ce qui est électronique, ça me... Moi, j'ai un voisin, c'est la techno à fond toute la journée, tu vois. Ça, je peux pas. Ou alors, il joue à LOL. Putain, si on pouvait brouiller un mec qui joue à LOL, oh, ça serait le bonheur. Sinon, quelqu'un a volé ma bite et se l'est mise dans la bouche. Hein? Ah.
Voilà, bravo à toi, Thomas. Tu as ma bite dans ta bouche. Et ça me fait bien plaisir. Encore une que Kev Adams n'aura pas. Est-ce qu'on peut se tatouer le trou de balle? Je pense. Moi, je le ferai pas avec mes... avec tes hémorroïdes. Mes hémorroïdes. Et en plus, maintenant, vu qu'on a découvert qu'en plus des hémorroïdes, j'avais un... Un kyste? Un kyste anal. Kyste anal qui est revenu ce matin. Comment tu fais pour t'asseoir, là? Bah, j'ai pris des cachets et j'ai mis de la pommade. Oh, avec ce doigt. Alors, je pense pas que le kyste anal montre que t'es vieux. Je sais pas si c'est une question d'âge, mais... Mal au cœur, rien que d'y penser. J'ai un ex qui a eu un kyste anal. Et il était vieux? Dans sa tête, oui. Il a un... Mais il a un kyste, enfin, il a eu un kyste pilonidal. Pilonidal, c'est ce que j'ai. Mais c'est horrible. Oui. Ça fait super mal, apparemment. Oui. Mais si je me fais opérer de mon kyste, bien entendu, vu que j'avais filmé toutes mes hémorroïdes, je vais filmer mon kyste, bien entendu. En bref, de Maël. Luka Doncic, joueur des Dallas Mavericks, était en conférence de presse lorsque des gémissements d'une femme suivis d'un orgasme ont été entendus dans toute la salle. Le joueur a immédiatement cessé de parler en cherchant d'où provenaient les bruits sexuels. Ça a cessé d'un seul coup, bim, genre c'était ah. Un journaliste avait voulu lancer son téléphone pour enregistrer la voix du joueur et il avait oublié qu'il était sur un site porno. Le smartphone a donc joué l'orgasme que le gars avait. Il devait se branler juste avant, je sais pas. Enfin, bon, bref, personne baisait réellement dans la salle. Oh mais c'est drôle, ça me rappelle... C'est sûr qu'il s'est passé ce genre de choses déjà pendant le Covid avec les Zooms. Ah bah oui, Zoom bien avec sûr. Les élèves qui ont les dû laisser des porno. Ouais. Bah clairement. Et des faux accidents. En bref, de Tenchu. Il est 22h lorsque les pompiers interviennent. Deux femmes sont retrouvées inanimées. Elles sont âgées de 60 et 35 ans. Elles résident au premier de deux étages dans un immeuble comprenant 11 logements. Elles sont immédiatement transportées au centre hospitalier en état d'urgence absolue. 13 autres personnes sont également prises en charge par les secours. Parmi elles, deux hommes, tous deux âgés de 31 ans. Le maire de Triel-sur-Seine, Cédric Aoun, dit « C'est un accident domestique. Ce type d'intervention lié à l'utilisation de barbecue à l'intérieur sont... trop fréquent. Quoi? Ils se sont tous intoxiqués en faisant un barbecue dans le salon. Oh les débiles! À l'intérieur? Mais qui fait ça en intérieur? Bah, des gens qui vont à l'hôpital et qui meurent. Mais putain, mais pour les meubles et tout! Pour les meubles? Pour les meubles, pour ils les... Ils sont morts, Julie! Ils sont morts! Non, mais dans la logique. Pense pas Ikea, non, pense si, mort! Attends, si moi je pense argent, moi avant de mourir je pense à l'argent, tu vois. À quel moment tu te dis? Alors oui, je vais faire un barbecue à l'intérieur de chez moi, sachant que t'as les meubles, enfin pour les odeurs, dans les murs ça va tout tapisser de gras. Bon, moi je reste sur le fait qu'ils soient morts, mais d'accord, ouais, c'est vrai que ça abîme les meubles et ça se sent pas bon. Oui, c'est horrible pour eux, pardon. Ouais. Les gens qui regardent Bad News m'ont envoyé ce jeu. Ça s'appelle le Shippatsu, et c'est carrément le but du jeu. Donc le but du jeu est de pas se chier dessus. T'as 7 cartes devant toi, des cartes numérotées de 0 à 7, et si t'arrives à 0, tu t'es chié dessus. Et ton but, c'est d'échanger des cartes, de poser des cartes et tout, de manière à garder ton taux de rétention de caca à 7, parce que plus t'approches de 0, plus tu vas te chier dessus. Si tu te chies dessus, t'as perdu. Ouais, d'accord. Mais c'est dangereux. Pas pour de vrai, hein. Il y a des blagues, il y a des dessins rigolos et tout ça. Donc voilà, si vous avez envie c'est de vous amuser. Ouais, c'est le joli. Le packaging, il est joli, hein. Ah, c'est hyper joli. Ouais. Ah, c'est hyper travaillé. Allez, le king de la semaine. Julie, qu'est-ce que la dendrophilie? Dendrophilie. La dendrophilie. C'est le king des dindons, c'est le king des non. dents. Alors, dendro, hein, pas dindro. D-E-N-D-R-O. Dendro. Dendro, les arbres. Les gens qui sont attirés ou excités par les arbres. Cela peut inclure un contact sexuel ou une vénération en tant que symbole du phallus arboristique. Du coup, quand tu joues Ocarina of Time, oh l'arbre mojo. Ah bah, l'arbre mojo à fond. Le terme peut également désigner un individu vivant dans les arbres. Pour plusieurs raisons significatives, moi j'ai tapé dendrophile en Google Images et j'ai rien trouvé de foufou. Si ce n'est un gars chez Etsy qui vend des cadres avec la définition de dendrophile, pas ouf. Alors après j'ai tapé dendrophile sexe. Oula. C'est pas ouf, oula. Mais j'ai comme un doute sur le fait que les gens soient vraiment excités par les arbres. Parce que voilà ce que j'ai trouvé. Attends, non mais... Ah, waouh, pas mal, ouais, pas mal les bzaises, hein. C'est-à-dire que les gens sont excités par des arbres qui ressemblent à des meufs ou à des culs. Du coup, quand ils voient des, genre, des oignons, tu sais, ou des pêches... Bah, ils mettent la bite dedans direct. Ah, c'est American Pie un peu quand même. Un petit peu. Mais c'est fou parce que ça veut dire que c'est pas l'arbre qui les excite. Ah, c'est que l'arbre qui ressemble... Ah, c'est de l'anthropomorphisme. Mais ouais, du coup, c'est de l'anthroparbrophisme. Oh. Mais bon, bref, voilà. Si vous en savez plus sur les dendrophiles, ce qui les excite dans les arbres, je veux bien le savoir dans les coms. Mon mec a le même. Il a le même boule? Non, il a un très beau boule. Ok. On se quitte là-dessus. Un peuplier, je l'ai baisé. Un platane, je l'ai encastré.
Un sapin, je l'ai piné. Le cocotier, je l'ai secoué. Crois-moi, du coup, les baobabs. J'aime tellement ça que je baiserai un arbre à chat. Je baiserai un arbre à chat. Le point rencontre, je serai à Paris Manga le 5 et 6 octobre. Je serai en dédicace à Annecy à la librairie le 9e quai le 12 octobre. Et je serai au festival de BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre. Ma nouvelle BD Manon Stremont et Patapout tome 1 est sortie. C'est pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Allez, on passe à la bad news du jour de Capitaine Flay. On va parler d'un vieux vieux film. Je suis pas sûr que tu l'aies vu. Un film qui s'appelle Le Conquérant avec John Wayne. Non, pas du tout. C'est le film où il joue Genghis Khan. Oula. Un film de 1956. Sacré que tard, celui-là aussi. Ah ouais? Ouais, violeur plutôt. Ah bon? Genghis Khan, oui. Ah! Je crois que tu parlais de John non, Wayne. Ouais, à mon avis, John Wayne aussi. Hein. Tant qu'on y est, faisons un loup. Eh bien, sache qu'il y a une malédiction autour du film Le Conquérant. Le tournage totalisait 220 personnes, acteurs et techniciens. Sur ce nombre, 91 ont développé avant 1981 une forme de cancer et 46 en sont morts, y compris John Wayne. Mais what? Ce taux de cancer est environ 3 fois supérieur à la normale. John Wayne a perdu un poumon pendant 64 et en 79, il meurt d'un cancer de l'estomac. Dick Powell, qui était dans le film, meurt en 1963 d'un lymphome à 58 ans. Pedro Armendáriz, atteint d'un cancer, se suicide en 1963. Agnès Moride meurt le 30 avril 74 des complications d'un cancer du sein. Susan Hayward meurt le 14 mars 1975 à 57 ans d'une tumeur du cerveau. John Hoyt meurt du cancer en 1991 à 85 ans. Donc tous ces gens-là, il y en a une bonne grosse partie qui sont morts d'un cancer. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas une explication rationnelle? Eh oui! Le 19 mai 1953, dans le désert du Nevada, la zone militaire de Yucat Flight, il y a dedans un laboratoire national de Los Alamos qui est dans le cadre du projet Manhattan, un endroit où on fait des essais nucléaires. Ah, bah voilà, aussi. Ils ont fait exploser une bombe sous le nom de Harry, d'une puissance de 32 kilotonnes. L'explosion atmosphérique est formidable, sauf qu'ils avaient fait un mauvais calcul. Il y a eu des changements de direction de vent et les retombées radioactives se sont éparpillées sur 3000 comtés dans tout le pays. Tu es une bombe nucléaire, Harry. Exactement, Dirty Harry. Des retombées aux conséquences sanitaires dramatiques qui vaudront à cet essai, voilà, le nom de Dirty Harry. 2 ans après l'explosion, Howard Hughes envoie son réalisateur Dick Powell tourner non loin du site, à Saint-Georges dans l'Utah, son nouveau film, Le Conquérant. S'inquiétant tout de même de la proximité de la zone des essais nucléaires et des radiations, Howard Hughes a demandé au commissariat de l'énergie atomique américain en disant « On peut tourner un film là avec 220 personnes, c'est pas risqué ?» Ils ont fait « Aucun problème, c'est complètement sûr !» MDR. John Wayne, pour la déconnade, a ramené sur le tournage un compteur GGR. Il l'a branché, le compteur s'est affolé, et à tel point que John Wayne s'est dit oh, « En fait, il marche pas. » Mais non, John, c'est les humains qui sont détraqués. T'as muté, mec. Ouais. C'est ouf, hein. Putain. Allez, on va tourner un film pendant plusieurs jours à un endroit où il y a eu une explosion atomique. Il y a eu des poursuites? Je pense pas, c'est les années 70. Je pense que... Ouais. Oh, c'est chaud. Ouais. Allez, c'est la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour ma mère. Au début de la Bad News 275, Ariel évoque une légende française mondiale. Bad News vous présente... Jeanne Calment, chantée par Renaud. Jeanne Calment est une super centenaire née en 1875, et morte en 1997, soit 122 printemps. Enfin, ça c'est la version officielle, parce que t'as des Russes, encore eux, qui disaient qu'en fait, sa fille Yvonne ne serait pas morte à 36 ans d'une pneumonie, mais que ça serait Jeanne elle-même qui serait morte, remplacée par sa fille qui aurait du même coup usurpé son identité. Et donc en fait, la nouvelle Jeanne, ancienne Yvonne, serait morte à 99 ans, et pas 122. Donc vieille, mais pas plus que Michel Drucker, quoi. Et donc, les Russes, ils disaient que ça aurait été pour éviter de payer les droits de succession, tout ça. Bon, en vrai, c'était du flan pour se faire mousser. Elle a bien cassé sa pipe à 122 ans, mamie. Ariel évoque Renaud aussi, le chanteur, pas les voitures. Âgé, lui, de 72 ans. Donc ouais, un peu vieux certes, mais 50 ans de moins que la doyenne à sa mort quand même. Vous imaginez? Elle avait 77 ans quand il est né. 95 à sa majorité, ils auraient pu être ensemble pendant 27 ans. C'est fou. Bon, après, faut le vouloir pour... mamie. Enfin, je me comprends. Mais même les personnes âgées ont droit à l'amour. Et au plaisir. Vous vous rendez compte que Michel Klein est encore vivant? Il venait montrer les animaux sur le plateau du Club Dorothée. 102 ans, papy. Ça conserve de caresser le cul des vaches. Il y en a plein des connus qui sont encore vivants d'ailleurs. Enfin plein. Plus que vous pensez quoi. Buzz Aldrin, Gene Hackman, Clint Eastwood, c'est classe ça. Lynn Renault, Raoul Castro, Jean-Marie Le Pen, c'est un peu moins classe. Au revoir les badounettes. Au revoir mec.
Merci beaucoup, Sylvain. Merci, Julie, d'avoir été avec nous pendant cette émission. Je vous rappelle qu'on a un Tipeee, un Patreon. Voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis aussi, on est sponsorisé par NordVPN ou par Oli. Si vous voulez qu'il y ait encore des bad news, cliquez avec le nom d'Evie. Voilà. La merci. Moula. La moula. Merci beaucoup, Julie. On se donne rendez-vous mardi prochain à 17h45. À mardi prochain. Ciao. Ciao. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles que l'automne viendra.